Bonjour Zez à tous, c'est Power 16 et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Assassin's Creed 4 Black Flag, la deuxième. Et on s'était laissé après qu'on ait qu'on soit fait choper par les gardes à la taverne. On va aller voir Steed. Et comme vous voyez, j'ai fait tout la vanne, hein, j'ai tout fait, c'est pour ça que j'ai autant d'argent. En bas à gauche, vous voyez. En bas go. On va continuer. Désolé d'être parti si vite. On m'a pris pour un autre. Ils ont eu la main lourde. Ah, quelle poisse. Je suis désolé, tout est de ma faute. J'essaie juste d'éviter que les Espagnols me voient. Ah, c'est trois fois rien. Malheureusement, ces soldats ont confisqué mon sucre. Ainsi que vos papiers. Bon sang. Où ils sont allés? Je n'en ai aucune idée, à mon grand regret. Je crois bien que ces messieurs le savent, mais mon espagnol est muy maldad, alors mieux vaut que je m'abstienne. Ah. Bien, on va les suivre. Je dois récupérer mes cartes. Et mon sucre? Et j'en ferai quoi de ton sucre? On verra, mon ami. Bon, bah là, on va les suivre. Vision d'aigle. Ok. Ok. Par contre, faut que j'enlève des danseuses. Je vais le faire. Honnête. Je crois que je commence à prendre le pli. Silence. Je crains qu'il nous ait repéré. Reste derrière. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Il a bu ou quoi? De la journée. Il a fumé, on dirait. Bon, bah là, on va les suivre. Hein. Bonjour, messieurs. Vous êtes en retard. Oui, monsieur. Oui. Nous sommes désolés. Notre capitaine nous a retardé. Ah merde. Vous parlez du capitaine Mendoza. Oui, il est impatient de faire votre connaissance. Non, j'ai pas eu le deuxième. Ah si, j'ai eu le deuxième. Quelle aubaine, monsieur. Quand nous entendrons la cloche, nous pourrons y aller. Ouais, juste tourner la tête et puis c'est bon coup. C'est devenu cheaté la vision dès que l'on voit à travers les murs. Me réjouirait, surtout si c'est le capitaine Mendoza qui actionne la trappe. Il doit toujours me payer les esclaves que je lui ai vendus. Bien sûr, monsieur. Le capitaine Mendoza sera heureux de s'acquitter de ses dettes. Il a des biens à vendre, du sucre. Parfait. Du sucre. Du sucre. C'est pas le sucre que t'as piqué à mon ami, j'espère. J'espère bien, mon ami. Non, ça va mal se passer. Je vais profiter de ces femmes pour te faire souffrir, mon ami. Ah, faut courir maintenant. Bon, de toute façon, si j'ai la vision dès que je les vois à travers les murs, c'est totalement bon. Puis bon. Sans elles me suivent. Putain, merde. Merde. Ils vont vite en empêche ces cons. Merde. Voilà. Ils n'ont pas su mes danseuses. Non. Bon, tant pis. Hein. Merde, non. Ouais, gros défaut qui était dans le 3 et dans le 4. Ton héros monte absolument partout. Putain. Voilà.
pas l'intention d'attendre toute la journée. Elle sera bientôt finie, monsieur. Et dès que le capitaine Mendoza l'aura pendue, il vous versera votre argent. Bon, on les suit. Parle du capitaine Mendoza. Je ne compte pas me payer en réalité. Je veux prendre quelqu'un. Je veux des marchandises, du tabac, du rhum, du sucre. Du rhum ? Ça s'intéresse bien les pirates. Nous avons saisi une belle quantité de sucre la nuit dernière à un gros anglais. C'est mon ami en plus. Ça va mal se passer, moi je vous dis, ça va mal se passer. L'anglais ? Si, c'est des barbades de bonne qualité. Une autre consomme, Castillo. Il a fui en abandonnant son sucre. Cela conviendra. Vais-je devoir l'accompagner au Castillo ? Ah, c'est cet enfant qui veut prendre des gens. Non, monsieur Vivant. Je pense que le capitaine Mendoza vous le fera livrer. Oui, c'est certain. Ça va mal se passer. Par tous les dieux ! Cette grande brute est le capitaine Mendoza. C'est lui ? Non, monsieur. Ça, c'est El Tiburón, l'homme de main du gouverneur Torres. El Tiburón. Je suis le capitaine Mendoza qui n'autre que lui. Ah oh merde, j'ai marqué le mauvais. Voilà. Bah il est là. J'espère que là, il faut pas me lâcher. Il y en a aussi là. Oh, ça fait un effet bizarre quand elles sont autour de moi. Ah bon, elles ont tiré quand même tout ce monde. On va dire qu'elles sont 4 aussi. Ah ouais, elles ont tiré tout ce monde. Ah ouais, c'est bien quand même. Bon. Merde. Pas qu'ils me voient rentrer. Tourne ta tête. Tourne ta tête. Tourne ta tête. Bon, tant pis. Premier pas au combat. Je connais cette mission, je pense que ça va être difficile. Même très difficile. J'essaie de contourner, mais bon. Ça va être dur. Surtout qu'il y a des gardes en hauteur, et comme j'ai pas de pistolet, je peux pas les avoir. Je sens que cette mission que je pourrais pas faire sans prendre part au combat. Je vais essayer, mais bon. Premier pas que ce sera discret, voilà, on voit les gens là déjà, donc. Je vais essayer. Hein. Regardez, en plus il y en a deux. Ça va être assez dur, j'attends qu'ils se retournent et puis je vais y aller. Sinon je peux trop bien la faire bourrin et tuer tout le monde. Puis y arriver très bien. Donc, Ah, voilà quelqu'un. Bon, j'en ai eu un. Je vais te faire la suite. Non, il viendra pas, je pense pas. Non, il viendra pas. Même s'il m'aurait plus longtemps, je pense qu'il serait pas venu non plus. C'est bon, ils sont partis. Je vais attendre ici. Je vais m'en charger. Ah ouais, mais du coup, il y a un truc qui nous a fait bugger. Du coup, ils sont à deux. Ils se promènent à deux. Voilà, j'en ai eu un. Il faut le deuxième.
Voilà. C'est bon. Non, je vais essayer de passer par là. Je promets pas que je vais y arriver, hein. Je tente juste. J'espère que je vais y arriver, mais c'est pas dit du tout. Ah, quoique lui, je pourrais peut-être l'avoir sans rien faire. Ouais, quoique, je sais pas. J'ai l'impression qu'il reste là et qu'il bougera pas. C'est pas forcément un bon avantage. Bon. Vous savez quoi, je vais essayer de passer par là et puis... Ah, j'ai réussi. Maintenant. J'ai réussi en plus, hein. J'ai réussi. Je vous avoue franchement que j'avais jamais réussi avant à faire ça. Alors que là, j'ai réussi haut la main. Je sais pas comment j'ai fait. J'ai juste réussi. C'est bizarre, hein. Hors vidéo, j'arrive pas. En vidéo, j'y arrive. Je sais pas. Peut-être parce que je savais pas la marche, la technique à suivre. Bon, voilà. Bon, voilà, comme ça, si vous voyez, si vous voulez le faire en discret, vous faites comme moi. Comme moi j'ai fait. Ça marche très très bien. Désolé pour ton sucre. J'ai fait ce que j'ai pu. Oh, c'est sans conséquence. J'ai une cargaison suffisante pour tirer profit de ce voyage. Tu vas rester ici longtemps ? Quelques semaines, probablement. Puis je retourne à la Barbade, à l'ennui de la vie domestique. Ne te résigne pas à l'ennui. Va à Nassau. Et vis selon tes désirs. Oh, j'ai entendu dire que Nassau était un vrai nid de pirates. Un endroit des plus sordides. Pas sordide, libéré. Oh mon Dieu. Quelle aventure ce serait. Mais non, non, je suis un mari et un père, j'ai des responsabilités. La vie n'est pas qu'une simple partie de plaisir, Duncan. Hey, Bonnette. Je m'appelle Edward, en fait. Duncan n'est pas mon vrai nom. Ah. Un nom secret pour votre petite visite chez le gouverneur. Le gouverneur, oui. Je crois que je l'ai fait attendre assez longtemps. Bon bah voilà, 100%. Hein. J'ai réussi. J'ai réussi à faire 100%. Merde. Bah 100% et puis j'ai réussi. Plutôt assez fier. Surtout que je pensais pas que j'arrivais à la faire cette mission. Du premier coup, je penserais pas. Enfin, si j'aurais réussi à la faire, mais discrètement, je pensais pas. Franchement, je pensais pas. Et bon, ça m'a fait dès que vu que je pouvais la faire. Là, du coup, j'ai réussi à la faire. Je vous dis, je sais toujours pas comment j'ai fait. Hein. Donc maintenant, on va aller chez le gouverneur. Oui, comme vous pouvez voir, oui, comme j'ai tout fait, j'ai découvert toute la carte, tout ça. Ah ouais, c'est quand même loin aussi. Hein. On va aller sur les toits. On va aller sur les toits pour que ça aille plus vite. Enfin, dès qu'il y a une occasion pressante de monter sur le toit, je vais le faire. Voilà, celle-là. Puis voilà. Ouais, un chat. Je sais que dans cette roue il y avait des chats mais ils montaient pas. C'est toujours la même animation. Hein. Ouais. J'étais pas du tout dans le tas de foin. Merci.
quand même assez loin ça. Hein. Voilà, go. Bon, tiens, j'ai envie. Putain, mais... Merde. Merci, au revoir. Il me proposait de faire un double assassinat, je l'ai fait. Ils m'ont perdu de vue. Oh merde. Ok. Bah voilà. Buenos dias. Monsieur Duncan Walpole d'Angleterre, le gouverneur. Je crois savoir qu'il m'attend. Si, señor Walpole. Entrez, por favor. Oui, je sais pas parler espagnol, hein, donc je veux pas comprendre ce qu'ils disent. Il enlève sa capuche. Ah, il parle de moi. Duncan Walpole debería haber llegado hace muchos días. No me gusta que los extranjeros se paseen por nuestra ciudad. No me fío de ellos. Cállate. El gobernador tiene invitados, todos franceses e ingleses. Parece un hombre rudo. Le suponía un aspecto más respetable. Llévame ese en alta mar. Dit que je suis une brute. En même temps, c'est un pirate, c'est pas un assassin. M'étonne que c'est une brute. Enfin, tous les pirates ne sont pas des brutes. Hein. Ouais, c'est vrai que c'est quand même rare, mais bon, ça existe. Hein. Bon, c'est assez chiant, on peut pas courir, on doit patienter, on doit faire comme ça. On rejoint la terrasse. Bonjour monsieur. Je suppose, sauf erreur, que vous êtes Duncan Walpole. En effet, oui. C'est ce que je pensais. Woods Rogers. Enchanté. De même. Je crains que ma femme ne fasse une bien piètre physionomiste. Pardonnez-moi. Ma femme. Rappelez-vous, il y a quelques années, au bal masqué du baron Percy. Ah. Oui. Elle vous a trouvé terriblement séduisant. Un simple mensonge pour attiser ma jalousie. Julien, notre invité d'honneur est arrivé, Monsieur Duncan Walpole. Ah. Julien Ducasse. J'espère que votre conversion à notre ordre est des plus sincères. Je n'affectionne guère les assassins, mais je les préfère encore aux menteurs. Je n'ai aucune intention de vous décevoir. Un peu d'exercice, Duncan ? Notre hôte n'est pas prêt à nous recevoir. Vous avez mes deux meilleures paires de pistolets, Duncan. Prenez-en grand soin. Si j'en avais lui, c'est le défi de comme mes tir. Essayez-les si avec vous en avez envie. Avec Woody Rogers. J'ai jadis combattu aux côtés d'un homme qui en portait neuf. C'est encore pratique au combat, mais ça a plutôt desservi ses talents de nage. Certes. Il recharge. Il faut s'y prendre, hein. J'espère voir le jour où les armes à feu seront équipées de balles et non l'inverse. Non, trop vivant, mec, je peux te dire. Je fais quoi maintenant? Continue. Je vais vous présenter l'un de mes amis, Julien. James Puckle. Et... Magnifique. Très bien. C'est un défi très simple. Atteignez toutes les cibles avant que ce sablier ne soit vide. Rappelez-vous, il faut toucher toutes les cibles dans le temps imparti. Facile.
j'ai pris mon temps. En plus, j'ai même pas fait tir rapide. J'aurais pu en plus, hein. Duncan, où sont vos lames de poignet? Je n'ai jamais vu d'assassin aussi mal équipé. Détruites, j'en ai peur. Je n'ai pu les réparer. Faites votre choix. Où les avez-vous trouvés? Je ne les ai pas trouvées. Je les ai prises. Ce sont des souvenirs. Deux lames. C'est bien la coutume, oui. La coutume, en effet. Duncan, ouais. Nous feriez-vous l'honneur d'une démonstration de vos techniques? Ma foi, je... Allons, nous avons préparé un petit parcours d'entraînement en prévision de votre venue. Des lames secrètes. De vous laisser repartir sans le symbole, là, bah, l'âme des assassins, en fait. Hein. Si nous en avons le temps, je vous montrerai avec plaisir ce que je sais. Regardez, des situations toutes adaptées à vos talents. Ok. Allez-y. La lame dans une foule est une approche sans fioriture. Rien de grandiose, furtive et rapide. Ok. Montrez-nous une autre technique. Quelle ingéniosité de se cacher dans un tas de foin. Vous ne trouvez pas? Bon, en fait, ça se voit que ça, en fait, ça, c'est la première fois qu'il l'utilise, mais il est super fort. Ça se voit qu'il a ça dans le sang, hein, que ça se sent dans le sang, parce que sinon. Surestimer l'effet de surprise, particulièrement quand les perspectives sont masquées. Ok. Satan m'emporte. Quelle méthode ingénieuse. Bah ouais. De toute façon, ils sont forts, hein. Ne manque pas de poésie. Malgré leur caractère un peu voyant. Oh, c'est un peu voyant, mais bon. C'est un peu voyant, mais une fois que t'as eu la cible. Enfin, c'est un peu voyant, mais. Enfin, comment dire. Certes, c'est voyant quand une fois que tu l'as fait. Super. Mais avant, c'est pas voyant du tout, quoi. Tandis que tu vas dans la foule au terre, ben à terre, on peut te voir. De porter un coup mortel à vive allure. Oh, bah oui. Mon Dieu, quelle puissance de frappe! Fais quoi maintenant? Eh, hey, tu me pousses, mais tu aurais pu quitter. Vous avez attendu le bon moment pour les quitter. À votre plus grand péril, sans nul doute. Trahir les assassins est rarement bon pour la santé. Ma foi, là, ça quand t'es pas un assassin. Recommandable, mais ces dangers m'attirent tout autant. Et vous, que faites-vous ici, monsieur? Êtes-vous un associé du gouverneur ou une simple relation comme moi-même? Bousquet, lame, canon, grenade, tout ce qui peut tuer un homme, je m'efforce de le fournir. Une sorte de contrebandier. Et comment se porte votre femme, capitaine Rogers? Est-elle ici, à la Havane? J'espère qu'elle va bien, mais je n'ai aucune nouvelle. J'ai passé les 14 derniers mois à Madagascar à traquer les pirates. Ah, traquer les pirates, ouais. Nous avons peiné à déloger tous ces criminels, mais nous y sommes parvenus. À l'avenir, j'espère pouvoir employer la même méthode dans les Caraïbes. Ouais, est-ce que tu crois, mon pote? Comment avez-vous réglé ce problème? Très simplement. La plupart des pirates sont aussi ignorants que des singes. Je leur ai laissé le choix. Accepter le pardon royal et rentrer libre et pauvre au pays. Ou t'en as un peu à côté de toi, hein, côté de toi. Au bout d'une corde. Ou s'ils sont bêtes. Et votre prochaine cible sera Nassau, j'imagine. Quelle clairvoyance, Duncan. Je vous souhaite de réussir. Bon, va où? Ah. Grand maître Torres, monsieur Duncan Walpole est arrivé. Si. Il y a une semaine que je vous attends. Mes excuses, gouverneur. Mon navire a été pris d'assaut par des pirates, puis envoyé par le fond. Je ne suis arrivé qu'hier. C'est fâcheux. Pardonnez ma défiance, mais avez-vous pu protéger de ces pirates les objets que vous m'aviez promis? Oui, monsieur. Voici.
Increíble. Les assassins ont bien plus de moyens que je ne l'imaginais, mais pas suffisamment pour nous dissuader. C'est un plaisir de vous rencontrer enfin, Duncan. Vous êtes le bienvenu parmi nous. Venez, messieurs, nous avons fort à faire. Enfin réunis entre gentilshommes du vieux continent. Angleterre, France, Espagne, tous ressortissants d'empires si tristement corrompus. Mais vous êtes des Templiers aujourd'hui, les authentiques législateurs secrets de ce monde. Veuillez tendre la main. N'oubliez jamais notre but. Guidez les âmes égarées vers la paix et la sérénité. Guider les désirs égarés vers la raison et la quiétude. Guider les esprits égarés vers la sagesse et la lucidité. Par la lumière du Père de la Sagesse, que commence notre œuvre. Il y a plusieurs décennies, le Conseil m'a chargé de découvrir au cœur de ces îles un lieu oublié que nos précurseurs appelaient l'Observatoire. Regardez, contemplez ces images, gravez-les dans votre mémoire. Elles racontent une histoire aussi ancienne que cruciale. Cela fait désormais plus de 20 ans que je recherche cet observatoire, car ce lieu abrite un outil d'un pouvoir incommensurable. Il s'agit d'une sorte de sphère armillaire, un appareil qui nous permettrait de localiser et de surveiller toutes les personnes vivant sur cette terre. Où qu'elle se trouve. Imaginez ce qu'implique la possession d'un tel pouvoir. Grâce à cet appareil, personne n'aura plus de secrets. Plus de mensonges, de tromperies. Plus que la justice à l'état pur. Telle est la promesse de cet observatoire. Et notre devoir est de nous en emparer. Sommes-nous en mesure de le localiser ? Nous le saurons bientôt, car nous détenons l'homme qui en est capable. Un nommé Roberts, jadis appelé un sage. Cela fait 45 ans que personne n'a vu d'authentique sage. Êtes-vous certain que cet homme en est un ? Tout nous porte à le croire. Les assassins viendront, j'en suis sûr. Sans aucun doute. Mais grâce à Duncan et aux informations qu'il nous a fournies, les assassins vont bientôt cesser de nous poser problème. Tout s'éclaircira demain, messieurs. Quand vous rencontrerez le sage. D'ici là, buvons, messieurs. Nous trouverons l'observatoire, nous réussirons. Devant son pouvoir, les rois tomberont, le clergé chancellera, et le monde entier s'empressera de rallier notre cause. Reposez-vous, Duncan. Demain, la flotte du trésor arrivera avec votre récompense. Après cela, nous discuterons de notre avenir. J'ai hâte d'y être. Excellente. Retrouvez-moi sur les quais à la première heure demain matin. Le gouverneur Torres sollicite votre présence sur les quais du Castillo, demain au lever du soleil. Ok. Ok, mon ami. Bah c'est justement ce qu'on va aller faire. C'est ouf. Ah putain, ils sont pas gênés, à chaque fois ils mettent bien loin. Oh, puis je vais utiliser les points de déplacement rapide. Tiens. C'est vrai que j'avais pu penser à ça. Oui. Je suis fainéant, j'ai pas envie de marcher. Voilà, et puis c'est tout. Voilà, donc on va aller là-bas. J'ai beaucoup de munitions, moi. Dans mon pistolet. Ouais. Bonjour, Duncan. Venez par ici.
Edward ! Bonjour, Edward ! J'ai trouvé un acheteur pour le reste de mon sucre ! Une excellente affaire, je suis ravi ! Il vous a appelé Edward ? Oh, c'est le marchand qui m'a conduit ici. Par précaution, je lui ai donné un faux nom. Ah ! Ingénieux ! On se reverra, Bonnet. Plus tard. Vous êtes ponctuel, Duncan. Par ici. Le voilà. Un homme que Templiers et Assassins ont cherché pendant plus de 10 ans. Il paraît que vous vous appelez Roberts. C'est juste ? Vous reconnaissez ceci, j'en suis sûr. Selon les vieilles légendes, le sang de sage est requis pour entrer dans l'observatoire. Nous avons la clé. Reste à savoir où il se trouve. Peut-être Monsieur Roberts nous apportera-t-il cette précision. Conduisez-le à ma résidence. Tout cela pour un seul homme. Cet observatoire a-t-il donc une si grande valeur ? Bah voilà, on va l'escorter, lui. L'observatoire a été bâti par la race des précurseurs. Sa valeur est inestimable. La race des précurseurs. Je vois. Hein ? Ah, un assassin. Ah, ça, je reconnais le bruit. De votre désir de tuer Atamai, leur mentor Maya, avez-vous été capable de mener à bien ce contrat ? Je n'ai pas pu, non. Trop de complications. Ah, les assassins sont là. C'est regrettable. Ah. Mais les cartes que vous nous avez livrées, c'est sûr. Oui. Je l'espère. Cet itinéraire ne me plaît pas, Torres. Nous sommes exposés. Quelque chose me gêne. Restez près de moi, grand maître. Je le ressens aussi. Ne les laissez pas s'emparer du sage. Les assassins. À tout prix. Les assassins ! Là-haut ! Sur les toits ! Allez, go, voilà. Surveillez les rues et les rebelles. Peuvent être n'importe où. Mince, non, j'ai pas. Par contre, Lorano Torres, il va crever, il faut que j'aille le sauver. Putain, merde. Putain, je me fais massacrer par un mec avec ses poings. Putain, merde. Putain, il va crever ce con. Voilà, ça va mieux aller. Putain, merde. Oh là là, c'est bidé buggy, des fois je... Mais j'ai bien failli crever, moi. Ah putain, trop de sang. Trop de sang. Faut le plaquer depuis une hauteur. T'inquiète pas ce que je vais faire. Ah, je vais essayer du moins. Ça devrait pas être trop compliqué, surtout qu'on est en hauteur. T'es en train de te fatiguer pour rien. Viens ici. Reviens, ou je vais te briser les genoux. Sinon, dans tous les cas, on va lui briser les genoux, donc ce que je disais. Et puis une hauteur en plus. Donc je saute qu'il a fait. Tais-toi. Nous allons le conduire en prison, grand maître. Doublez la garde. Eh bien, le moins qu'on puisse dire, c'est que la journée aura été agitée. Si,
pris en souricière par nos ennemis. Nous avons manqué de prudence. J'aurais voulu rester pour la suite des opérations, mais je dois profiter de ces vents et faire route vers l'Angleterre. Je comprends, capitaine. Que la mer vous soit indulgente. Avec de la chance, je reviendrai en habit de gouverneur. Avec la bénédiction de mon crétin de roi de surcroît. Adios. Quant à vous, monsieur Walpole, voici le premier versement d'un investissement à long terme. Gracias. Je vous remercie. Je souhaiterais que vous soyez présent à l'interrogatoire demain. Venez vers midi. Bien, monsieur. Bon, bah voilà, il nous a payé. 1000, il nous a payé. Ah, j'ai bientôt 12 000. Ah ouais, j'ai quand même beaucoup. Ah, il y a un pirate là-bas qu'on va aller, on va les libérer. Mince. Putain. Putain, sérieux ça? Je vais me concentrer, arrêter de faire de la merde. Bah voilà. Merci. Kenway, c'est ça? Je suis avec toi. Ouais, c'est Kenway. Par contre, je sais pas si je vais faire la prochaine mission parce que là il reste. Bah, il est déjà à 37, on est déjà à 37 minutes. Donc, je sais pas si j'aurai le temps. Je sais pas si j'aurai le temps. Parce que surtout que moi je vais faire 40 minutes. Donc, si la vidéo est trop longue, ça va mettre. Vous allez la voir. Ça va mettre trop de temps pour que vous l'ayez, donc ça sera pas bien, donc je sais pas. Non, je pense que je vais arrêter là. Ouais, je pense que je vais arrêter là. Oh, je suis plein avec mes balles, donc c'est bon. Je vais arrêter là, c'est où la prochaine mission? C'est là. Oh, c'est loin quand même. Je vais me téléporter là. Ça fasse bien 40 minutes, hein, pour pas que... voilà, quoi. Je vais me téléporter là, puis je vais me mettre devant. Normalement, dans l'épisode 3, je vous dis, on aura notre bateau et on aura quitté la vanne. Parce que je sais qu'après cette mission, et ben on quitte la vanne. Comme par hasard, devant une zone rouge non autorisée. Bon bah voilà, hein, ça fait 38 minutes. Bon bah voilà, bon bah salut, c'était Power 16. C'était pour la deuxième partie d'Assassin's Creed 4 Black Flag. Et on se retrouve très bientôt pour la suite. Et n'oubliez pas de mettre un like, de commenter, de vous abonner. Salut !